c'est voilà. Tu sais qu'hier j'ai sauvé Willy. J'ai aidé ta mère à travers Salut tout le monde, c'est Waller. Salut tout le monde, c'est Stan. Et on se retrouve pour une petite vidéo entre guillemets bonus. Oui. Bon, ça va ? Oui, ok. Donc je suis à gauche, Waller est à droite, nous sommes sur FIFA 14, sur PS4 encore. Ah oui, dis donc, c'est la folie, c'est la next gen. Hein. On essaye de vous mettre... On pèse. Chacun on pèse, c'est ça. Je vais sûrement pas prendre le Brésil. Hein. Un petit... Est-ce qu'on se refait Argentine-Allemagne ou est-ce qu'on change ? Non, je vais prendre la Colombie. Non mais est-ce qu'on peut... on va peut-être se prendre des équipes 5 étoiles. Qu'est-ce que t'as contre la Colombie? 4 juste... étoiles et demie. Non mais c'est pour équilibrer le... Et bah t'en prends une avec 4 étoiles et demie, tu me fais pas chier. Mais non mais moi j'ai envie de prendre une équipe que j'ai envie de prendre, je vais pas prendre la Côte d'Ivoire. Et bah moi je prends la Colombie, prends un connard à 5 étoiles, j'irai pas me plaindre de 5 étoiles, je ferai pas des excuses de sac moi. Attends sinon y'a qui? L'Uruguay mais... con va. Ah j'ai pas envie de prendre l'Uruguay non plus. Il me casse les boules lui. J'aime pas les Anglais. Ah et bah après c'est 5 étoiles. Ah sinon je peux prendre le Portugal. Vas-y, prends le Portugal. Ils sont pas fait laver les Portugais. Si. J'aime bien l'Espagne aussi mais... Prends les Suisses, ça fera plaisir à Jérém. Est-ce que tu veux que je prenne le... Attends, 74, non, elle va te faire foutre. Ouais mais là c'est, tu vois, ils ont le pouvoir de la neutralité aussi. Mais là il y a trop de différence en stats là, c'est abusé. En même temps le mec prend l'Espagne, tu sais. Ouais, non mais il y a trop de différence, c'est con quoi. Sinon je peux prendre en fait, la France. T'es un vendu en fait. Ah bah quoi. Sinon je peux prendre la France. T'es un gros vendu, le mec il prend direct l'Espagne. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence avec moi là. Bah elle est ouais. Il y a deux et deux. Ce que je veux dire c'est que moi je fais un effort de prendre une équipe à peu près qui sent les épices, tu vois, qui pourrait. Mais tu connais pas la Colombie, tu connais pas les joueurs, c'est dommage. J'aime bien le pays. Je m'en fous du foot, j'aime bien le pays. Bah voilà, moi je trouve ça dommage de. Et bah prends. Je vais prendre CONCACAF, Honduras. Le Mexique ils sont bons hein. Je veux pas le Mexique. D'accord. Je veux pas non plus des... Non, fais chier les Asiatiques. J'ai pas envie pour... Ah, on pourrait faire une équipe asiatique, ouais, ça pourrait être drôle. J'ai pas envie pour une équipe asiatique au mondial. Ah, ils ont rien fait, les Asiatiques. Je vais changer, j'ai compris, je change. Non, mais sinon, y'a pas de soucis. Tu m'emmerdes. Je te le dis. Il y avait la Bosnie-Herzégovine. Moi, j'aime bien l'Argentine. Putain, ils sont bons, la Bosnie-Herzégovine, en plus, hein. Toi, t'aimes bien l'Argentine, oui, mais t'as perdu, Non, mais c'est pas grave, j'aime bien leur... Non, mais j'aime bien leur jeu sur... sur FIFA. J'aime bien le Japon. Tu veux pas prendre CONCACAF? CONCACAF. Le dernier match de foot qu'on a fait c'était sur quoi? Allez, Russie. Je prends la... Ah ouais, mais non, mais là c'est abusé pareil. Mais je m'en bats les couilles. T'aimes bien les 4 étoiles et demi hein. Je m'en bats les couilles. Mais je prends l'exotisme. Je vais prendre les Français. Mais non, mais les Français c'est pareil, je te démonte. Mais je m'en bats les couilles de tes stats à la con là. Mais non, parce que sinon c'est déséquilibré. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On va passer plus de temps dans le menu que dans le match là. Allez, tu prends une équipe, tu me casses pas les boules. Prends celle que tu veux, je m'en carre moi. Non, mais je veux pas prendre, voilà. T'as des fêtes nostalgiques cuisantes, c'est tout. Je déconne. Mais même l'Uruguay, on est à 4,5, regarde. Je m'en bats les couilles, prends l'Uruguay, prends qui tu veux. L'Uruguay aussi, toi, c'est nul. Tu prends l'Uruguay. Sinon, à 3, on appuie sur aléatoire, comme ça va arriver les histoires. Hein. Ah bah attends, on peut regarder qui nous met. Ah bah voilà, France. Ah bah, le jeu vendu, tiens. Non. Vas-y, c'était Cameroun États-Unis, c'était pas mal. Vas-y, refais. Non plus. Pays-Bas, vas-y. Putain, me casse les couilles. Bon, vas-y, vas-y, reprends ton truc. Je vais prendre des machins. Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est qui que j'avais, la Russie? J'ai dit Uruguay, allez. Uruguay-Russie. Il est nul le match Uruguay-Russie. Mais bon, c'est pas grave. C'est ta mère qui est nul. Je suis pas mal des Russes, toi déjà. Voilà. Allez. Match tout pourri. Allez, là. Petrushkov. Et Uruguay-Russie, il y a personne qui va s'identifier en public. Si tu veux, je t'ai dit de prendre les Suisses, t'as pas voulu. Ah, parce que les Espagnols, c'est vrai que les Espagnols, tout le monde va s'identifier. C'est vrai que j'aurais pu prendre les Suisses du coup là. Ouais, complètement con. Allez, je prends les Suisses. Oh, il m'emmerde. Allez, je prends les Suisses. C'est pour Jérém. On s'en bat totalement les couilles quoi. Qui c'est qui va s'identifier? C'est pour Jérém. Ah bah, voilà, là c'est encore plus équilibré. Ouais. Là. C'est parfait. Ah, par contre, là ça va être le bordel. Non, mais sinon je peux changer, j'ai quoi d'autre. Bon, Jérém, si je gagne pas, c'est ta faute. Comme ça, on met les gardiens en légende. Je pense qu'ils se mettent même pas en légende, les gardiens, en fait. Mais... Je pense. Moi, si je gagne pas, c'est Poutine. On va peut-être se mettre au Maracana. Bon, on peut peut-être changer, hein. Parce que... Ah bah, on n'a pas le choix, apparemment. Ah oui, puisqu'on s'est mis en Coupe du Monde. Ah bah, il y avait que ce stade-là pour la Coupe du Monde, ah messieurs. Bah, non, mais ils mettent lui, tu vois. Apparemment. Bon, on va pas là-dessus. Allez. Voilà. Et c'est un match qui commence.
Il y a pas le rond dans le. T'as réussi à tirer entre. Et donc, j'en ai pas réussi un seul tout à l'heure. Allez. Mais t'as raté là aussi. Hein. Ah non, j'ai mis. J'ai... Faut toucher les cibles. Oui, non, mais d'accord, mais enfin. Bon. Oui, mais t'as raté. Voilà, t'as raté, bon. M'excuseras, t'as raté, t'as pas donc touché. Donc voilà, on remarquera que. Voilà, on veut pas regarder la cinématique de début. Non, on s'en bat les couilles, on est là pour jouer au foot. Donc les Russes sont à droite. Bah, en rouge. Les Russes sont en rouge et les Suisses sont en blanc. En rouge, c'est pas très. Suisse en blanc. Il y en a tous Suisses. C'est la couleur de la Suisse. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, rouge et blanc. Ça commence pas très bien. Une entrée de match de type qualitative, alors je sais pas faire les touches. Allez, ça change. On avance comme ça, les gars. Allez. Tu calmes tout de suite. Oui. Donc, toi, tu as vu avec Ron, tu peux faire des. Tu sais, c'est pas des tacs, c'est tu sais, les tirages de maillot et tout là. Oui, oui. Les tirages de maillot. Oui, oui, c'est réglementaire dans le foot. Non, mais bref. Tu peux faire quoi avec toi? Un truc comme ça. Ah, oh, le russe qui déborde. Genre. Kokorin, et voilà. Fait... Et voilà. Kokorin, il y a une grosse faute. Qui c'est Djourou. Magnifique défense des Russes. Avec un appel de balle. C'est un peu long. C'est un peu long. Arrête-toi. C'est trop long. C'est comme ça que ça tu commence. Tu joues pas roleplay parce que les Russes sont beaucoup plus neutres. Hein. Ils attaquent jamais. Hein. D'accord, mais moi je suis Suisse. Tu joues pas du tout. Les Suisses, pardon. Tu joues pas du tout roleplay. Oui, non, mais on est tous de la même couleur. On a tous ouais. Le même maillot, tous le même passion, tous ouais. Le même combat. On va les couilles. Voilà, il y a des trous, dis donc, chez moi. Exactement, comme dirait Jean-Pierre, un bon ballon d'attaque perdu. Ah, ça, c'est un commentaire de Michente, ça, en vrai. Oh, oh, oh là. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est de la merde. Il a laissé toute la défense sur le carreau, mais il fait de la merde après. Oh bah dis donc. Oui, non. Oui. Ça revient au gardien. Le gardien qui préfère dégager. Karzakov. Attention, c'est dangereux. Je fais genre je connais les noms. Je regarde normal la commune. Oh c'est dangereux, ah, la ça faute. La faute, quoi, monsieur l'arbitre. Oh, ça y est, il commence à pleurer là. C'est l'esprit français qui ressort. Voilà. Les Russes paniqués. Ils commencent à pleurer. Ils préfèrent mettre en touche. En même temps, et est... ça chiale, on y a des faux. Les Suisses sont déchaînés aujourd'hui. Oh la merde! Oh merde! Ok, il est hors jeu, oui! Non! Il était sorti! Il est hors jeu! Une petite faute là, non? Peut-être, monsieur l'arbitre, voilà, merci. Allez, voilà, tu te calmes direct! Parce que voilà! Petit coup d'épaule! Ça, c'est le Suisse qui va à la mosquée, hein, je dis rien, mais. Il s'appelle Juju! Oh Juju, le type, il s'appelle! Allez! Allez, mets-toi bien là! T'es prêt? T'es prêt? Je tire où? Alors, hein, y a un petit ah ouh. C'est bon, ça passe, les gars. Pas de panique. Tout était prévu. Ah merde, il arbitre ça. Le mec en noir, oui. Faute! J'ai mis un tampon. Chaka. Oh, il m'a blessé un joueur. J'ai rien fait, moi, c'est toi. Oh, t'es un fils de pute. Mais c'est pas moi, hein. Ah, c'est parce que tu dois changer. Oh, t'es un fils. Ah, mais il est à l'ambulance carrément. En torse de la cheville. Oh, t'es sérieux là. C'est vrai, on voit tout de suite comment jouent les Suisses. Ça, c'est les Russes, ça, qu'est-ce que vous voulez. Allez. Les joueurs, ils sont solides. Non, mais ça, c'est un importé. Le Russe, il aura jamais eu une entorse. N'importe. C'est un faux. C'est un Polonais, ça. Ah, c'est n'importe quoi, c'est terrible. C'est terrible. C'est un faux, le gars. C'est bon? Ouais. Pardon, c'est moi, je m'en fous. Voilà. Parce qu'on va voir ce qui s'est passé un petit peu. C'est peut-être mis un petit peu beaucoup de temps quand même. Ah bah c'est... Bah non, c'est 10 minutes hein. Ah, celui-là on va faire une vidéo en 8 épisodes. C'est possible. Parce que là, c'est pas grave. D'accord. De toute façon, on n'a pas trop le choix. À moins que tu veuilles arrêter la vidéo. Parti en première mi-temps. Parti de première... Non mais on va faire ça bien. On va vous faire un match entier quand même. Parce que... Surtout que si ça tourne à l'humiliation, faut avoir les commentaires en direct. Quoi. C'est enregistré en live, c'est pas une vidéo, une VOD recommandée derrière. Oh là, oh là. Il l'a vu. C'est pas qu'il l'a vu, mais il l'a vu. Alors que ça joue physique du côté suisse et qu'il est hors jeu. Comme tu me dis, faut regarder ton radar. Hein. C'était dangereux ça. C'était très dangereux, mais c'est repris. Mais oui. Mais... Non, non, qu'est-ce que t'as fait? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah. Pardon. Oh, le mec, en fait, il aurait pu jamais faire commentateur de foot. Quoi. Il s'échauffe alors qu'il n'y a rien. C'est pas mal! C'est pas mal! La balle va partir!
La balle va partir. C'est pas mal. À la limite, tu fais ça quand il y a le ballon, mais si. Oh là là, oh là là. Oh la gêne. C'est ça. Eh bah, je t'ai gêné, t'as fait de la merde. Eh bah, j'ai bien vu. Allez, mon gars. Ah non, c'est Akine, Akin Fever. I believe Akin Fever. Akin Fever. Yeah. Saturday Night Fever. And Akin Fever. Ça tente des gestes techniques, mais c'est pas capable de les réaliser jusqu'au bout. c'est... Oh, ça troll, ça parle même des nerfs et tout, là. Oh oh non, de quoi, de quoi? Oh, oui, t'as enrhumé la pelouse, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Oh, le contre-pied. Ah. Oh, le contre-pied raté. Le mec, il a oublié le ballon. Ah, la talonnade. La talonnade qui passe. Ah là là. Allez, allez, on court. Eh, le Suisse, ça a main tonge. C'est pas sorti. Enculé de bâtard de merde. Voilà, ça fait n'importe quoi. Ça renverse. Ça fait complètement n'importe quoi. Non mais y'a un mec qui a dû l'insulter de l'autre côté. Alors que le canard va bien t'en sauter. Déjà? Ah oui, je crois. Et c'est renversé, c'est bien fait. Simone Perez. Je suis la Suisse, hein. Pas de... pas Perez. Et c'est reparti, ça part bien. Il a vu l'appel de balle. Oh, c'était dangereux. Oh, c'est redangereux. Oh là là, si t'arrêtais de faire des fautes, ce serait moins dangereux pour mes joueurs. Il n'y a pas eu de faute. Oh, bien sûr, il n'y a pas de faute. C'est, je suis neutre, je fais pas de faute. Je fais des fautes que quand ça m'arrange. Oh la frappe, dis donc, de titan, là. Frappe titanesque. La frappe qui est contrée. Le mec, il a écrasé son pied sur le sol. Ah, tu te calmes direct. Ah, il n'y a pas Messi, là. Ça se sent tout de suite, hein. Ah, c'est leur jeu. Non, non, pas du tout hors jeu. Pas hors jeu du tout. Hey, on sent bien encore l'enveloppe suisse à l'arbitre juste avant là. Allez, on a du pognon, on en profite. Ouais, c'est le hors jeu. Allez, on a ouais. Des banquiers chez nous, voilà. C'est le hors jeu. Qatar qui investissent ensuite, tout ça. Ouais. Et voilà, Chaka, c'est bien ça fait. Penser à Stargate TG1, c'est bien fait. Oh, c'était dangereux. J'ai marqué mon caleçon. Oh là là, c'est bien défendu de la part des Russes avec le contre-pied magnifique et Kerzhov qui est devant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la faute. Tu peux arrêter de faire des fautes, s'il te plaît. Non, mais en rouge là. Hey, Djourou encore là. Hey, c'est celui qui sent les épices lui là. Non, mais laisse-moi la faute. Alors excuse-moi. Que je regarde start, le temps. Il nous reste 20 secondes avant de faire la première coupure. Exactement, donc nous allons faire la première coupure. Et voilà, il tape fort. Peu. Alors que je ne regardais plus du tout, mais que c'est pas grave. Enfin, quand la balle est en l'air, je ne décide de rien non plus. Hein. C'est le dégagement, c'est le dégagement, c'est le dégagement. Voilà. Ça va jouer un petit peu physique. Bonjour, je suis russe. Ça commence à jouer un petit peu physique. Merami. Non, mais devant. Allez, je suis fair play. Je te lèverai pas. Oh merde. C'est mieux pour la confiance. C'est compliqué là. Ça cherche des solutions. Ça en trouve une. J'avais des coups de tête. Mais j'arrive pas à sélectionner le bon joueur là. Oh, c'est dommage. C'est un corner. C'est dommage. Ce sera un corner. Messi qui va le dire. Non, toujours pas. Non, c'est Rodriguez. Ah, bon nom suisse, Rodriguez. Hey, dis donc. Aucun suisse. Votre équipe suisse, là, sur le papier, elle est vraiment suisse ou... J'appelle un deuxième joueur. Et pourtant, c'est indirect. C'est une feinte avec la tête suisse. Et c'est le dégagement. Attention, ça peut être dangereux, la contre-attaque. Avec Chatov. Qui chatte à mort. Chatov qui fait n'importe quoi au gardien, c'est le dégagement. Chatov qui fait n'importe quoi. Oh, c'est le dégagement. C'est le dégagement de l'enfer. MIC, ça se dit pas, ça se prononce pas du tout. Dégagement de l'enfer. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Oh, dis donc. Oh là là. Ça touche le ballon. Un Suisse physique, ça existe. Ils sont pas que tout mous.
Oh là 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 là, ça passe pas loin des buts du gardien c'était russe. C'était pas loin. On a fait raccourcir les poteaux du côté russe juste avant le match. C'était pas mal. Ah, c'est un peu dévissé quand même hein, malgré ouais, tout. Et il y a un très mal. Très beau plongeon c'est du gardien russe. Hein, le gardien qui s'appelle Akinfev. Akinfev. Je suis désolé, je connais pas du tout l'équipe de Russie. Akinfev, attends, oh. Meilleur mais... gardien 97-99. Mec, il était encore sur les bancs de la primaire. Non, mais... Tant que tu crois à ce que tu dis, c'est crédible. C'est ça. Oh là là, il y croit là. Oh là. Oh, 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 ça va être pas long. J'ai levé les mains. J'ai levé les mains. Il y a pas faute, j'ai levé les mains. Ça sent le carton. Ça sent le carton rouge. Ah, là, sent le carton. Est-ce qu'on peut regarder la faute, s'il te plaît? Oui, oui, vas-y. De Berettuzzi. Ouais, mais c'est trop on compliqué. Les couilles. D'un russe. Temps, c'est. Voilà. C'est. Ah, c'est pas méchant. Ah non. Non, c'est pas trop méchant. C'est pas trop moi, je t'aurais marché sur la main juste derrière, tu vois. Je le dis. Je te pète le bras comme... et c'est le capitaine qui fait la faute. Et le capitaine va à la faute. C'est bien tiré. C'est sans problème pour le gardien. Le pétard. Voilà, ça parle technique. Ça préfère jouer la sécurité côté suisse. Oh bah, c'est, ça ressemble bien, ça, tiens. Oh, chez nous, on alors parle que, pas. Alors que ça troll de Suisse, apparemment. Ah, ça parle très mal pendant le match, de toute façon, c'est le but. Oh, attention, Tarfan, il fait une faute encore, mon gars, là. Et non, c'est pas assez fort. C'est pas assez fort, c'est con, parce qu'il l'avait vu, le joueur suisse en avant. Ça se permet des choses, ici. Alors que ça là, prend ça, la confiance. Ça joue physique. Ça joue physique. Et ça récupère la balle. C'est pas sorti. Ça renvoie au gardien. Ah, c'est vrai que Juru, le gardien qui va pouvoir dégager. Et qui fait finalement une passe en bas. Mardi, jeudi. Oh là là, il a mouché son vis-à-vis. Et elle a une de magnifique. Il a mouché quoi? Qui est passé. Il a mouché son vis-à-vis, je crois pas. Non. Là, il y a pas faute là peut-être. Quoi, il y a faute de jouer avec l'épaule, hein. Épaule contre épaule, mon gars. J'ai une épaule russe, c'est pas de ma faute si elle est plus grosse que la tienne. Oh, je suis fair play. Trop de fair play, tu le fair play quand même. Ah non, c'est trop long. Et ça va sortir, et ça va peut-être pas sortir. Il y aura une belle reprise. Et ça sort, en touche. Il y aura une belle reprise. Et c'est la touche. On sent que les Suisses mènent un petit peu pour l'instant dans la surface. Dans la surface russe. Pourtant, les contre-attaques peuvent être fatales. Tandis qu'un, qu'un Suisse vient de perdre son genou sur le, sur le double appui. On me fait signe qu'il veut sortir. Oh, ça joue technique, c'est bon. Oh là 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 là, ça aurait mérité le corner, mais non, ça va être le 6 mètres. Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Bah, il a un petit peu fait... Non, bah c'était tout à l'heure, les gars, on va pas remettre un carton au type, quand même. Allez, jaune encore. Tiens. Bah, rouge, du coup. Eh, t'es pas belle, ta faute. Bon, l'arbitre, tu enlèves ton tutu, tu te calmes direct, là. Alors qu'on arrive bientôt à la... On voit tout de suite, quand même, le parti pris des médias, hein, qui refilment la faute russe. Hein, alors qu'il y en a eu beaucoup chez les Suisses aussi, j'ai envie de dire. Oh là, il y avait une chute. On sait pas trop ce que c'est, mais il y avait une chute. Et c'est la chute. Non mais ils tombent exprès les Suisses. Oh là là, alors que là. Ouh, c'est bien repris, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, il a vu, il a fait l'appel là, et c'est bien défendu de la part des Suisses. Désolé, je connais des Suisses. Des Russes. Il est contre lui-même. Des Russes, pardon. Ah, alors qu'il y a eu une faute. Ah, c'est vrai qu'ils ont Kerzakov, hein, il y a une faute côté Suisse. On revient. Il est pas dégueu. On revient à la faute, il y a pas de carton, c'était peut-être un peu violent. Oh, il joue le ballon. Il joue totalement le ballon. Ça met un petit coup de pied apparemment. Non mais ça c'est la mentalité suisse. Ça m'énerve ça. Et apparemment. Ah voilà, c'est ça pas m'énerve. Super voilà. Qu'est-ce que ça m'énerve ces Suisses là? Alors que ça repart devant et qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Non mais ils sont cons les mecs, sur ils une erreur russe. Quoi. Oui, attends la balle. Attention. Oui, mon bonhomme. Oh, il est tout seul. Il est hors jeu, surtout. Oh, c'est dommage. Hors jeu de au moins la moitié de la surface de réparation, je pense. Attention, regarde. Eh, c'est pas grand chose. Voilà, tu veux un camping-car derrière la défense ou pas? Donc, t'as une petite tente. Tu peux même t'installer l'électricité, quelque chose. ça te va. Non, la tente. Allez, il fait de la merde, c'est bien. Oui, non, c'est. Oh! Oh la corrompue! Oh là là, dis donc, oh, la pulsion de bâtard! Ça, c'est un défenseur. Le mec, il met son cul devant, y'a pas de problème. J'ai envie de dire, c'est la défense parfaite. Vous pouvez pas faire mieux, le type. Tut! Ah, tu fais faute, mais Mehdi! C'est petit hors-jeu.
Allez, le camping-car, deuxième. Il n'y avait pas trop camping-car apparemment. Oui, c'est facile de dire ça. Ah, ça tente les coups de physique pour piquer la balle. Et c'est la mi-temps. Sur un score de 0-0. C'est la mi-temps, les amis. Est-ce qu'on va voir les moments forts de ce match? Ce score de parité, comme dit Thierry. C'est pas un homme, une femme. Deux. Quoi? Score de parité, un homme, une femme. Voilà, et on va voir tout de suite les moments forts du match. Avec Gourou. La grosse Gourou. Faute du mec. Ah ouais, il m'a défoncé. C'est vrai que c'est... Il n'y a pas faute, je lève les mains. Non, c'est pas moi. Voilà, c'était gentil par rapport à la tienne. C'était gentil, mais c'est quand même une faute. C'est un mauvais choix de Pokémon. Et il y va quand même sur le ballon. C'est super efficace. Ah bah, c'est les deux actions du match, j'ai eu un tir cadré suisse, deux tirs cadrés russes, c'est vraiment un match. Les deux actions, c'est deux fautes. C'est vraiment... Et par contre, il y a une bonne précision de passe. Oui. Alors, du côté suisse, la précision de tir, c'est pas encore ça. Hein. Bah forcément, si tu fais pas des tirs cadrés. Un tir sur quatre. Hein. Précision de passe, non, on sent que le jeu en passe est pas mauvais. Ouais, ça circule plutôt bien. Ça circule bien, mais on sent qu'il y a des problèmes. Défensifs, on peut dire. Quoi, hein. C'est-à-dire en attaque, en défense et en milieu. Ça ne parvient pas à concrétiser. Exactement. Ça, c'est pas l'arbitre, là, en bas. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, si, c'est le médecin. Ah, et voilà, mauvais choix, et c'est l'erreur. Et c'est le là-bas, le lob manqué. Et il craque sous la pression, ça c'est bien suisse. Dès qu'il y a de la pression et qu'on peut plus être neutre, ça craque. En parlant de pression, les bières suisses sont excellentes. Ça n'a plus aucun rapport avec le foot. Une culture alcoolique numéro 1. Voilà. Ousse. Je te fais un lancer de disque, mon gars, là. Oh, ça met pressing et haut, là, attention, là. Dégage. Oh là là, c'est bien défendu, ça, de la part de Shaqiri. Ah non, c'est russe, ouais. C'est vrai que t'es russe. C'est l'erreur. Et ça frappe de loin. Ça cherche le corner, pas de solution. Cherche le corner. C'est très très bien joué de la part de... Et c'est Kombarov qui va tirer ce corner. Ça, c'est très bien tiré. C'est dangereux, c'est dans les bras du gardien. C'est dégagé rapidement. Oh là, attention. Attention avec la contre-attaque suisse. Ce qui peut faire très mal. Et qui va pas faire très mal. Si, il l'a vu en haut, il est parti. C'est Xhaka qui est dehors. Xhaka, le tir. Oh, le poteau. Le poteau. J'ai même pas eu peur. Oh, il a éliminé son vis-à-vis en 1-2. Oh, quel le magnifique 1-2. Alors que ça veut construire son jeu, apparemment. Mais apparemment, le Suisse n'est pas d'accord. Ça oublie que ça ne s'est pas fait. Alors, il n'y a pas de problème. Ça parle mal des Russes. Je vais avoir des soucis avec Poutine, moi. Alors. Allez, ça fait une passe invisible. Oublie pas qu'on t'a donné un chèque, toi, avant. Oh là, dis donc. Oh là, dis donc. Non, mais j'ai marché sur mon lacet, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Mais évidemment, tu crois qu'il fait ça pour quoi? Oh, bah d'accord. Trop de fair play, monsieur. T'es un Suisse. Pardon, c'est moi, ça. Allez, Batman! Il s'est pâté lui-même! C'est raté! C'est un geste technique très difficile à réaliser! Oh merde! Ah, c'est magnifique le centre! Il a peut-être tenté le lob, je sais pas. C'est sérieux, mon russe là? Je sais pas si c'est mon russe. Alors qu'on va repartir sur le reste de 2030, on a encore un petit peu le temps. Sur une coupure, ça sera en 3 ou 4 parties maximum, donc ça va. Là, sauf si on met pas de but. Après, on fait but en or, c'est pour la beauté du jeu. Ouais, but en or. Ça peut aller jusqu'à combien de temps le but en or? C'est comme la... C'est bien défendu, ça, bonhomme! C'est comme la durée normale en fait, sauf que. C'est fini! C'est n'importe quoi! La défense suisse qui fait de la grosse merde! Oh merde. Alors que ça va pas y aller du tout. Ça devient assez dangereux, ça devient assez... Oh là, c'est n'importe quoi. C'est non. But de Karakov. Il a but et il fait la Mary Poppins quand il marque. Allez, hop, toi tu feintes, boum, j'ai même pas feinté, t'es tombé. Oh non, il était moche en plus, c'est Sam. Et ça rage du côté suisse. Pourquoi je me prends toujours des buts comme ça? Ça rage du côté suisse, mais attends, j'élimine deux défenseurs, je frappe, je marque. Je rappelle que je me suis pris tout à l'heure, vous ne le savez pas, un complètement... Qu'on appelle ça? Un but exactement identique de la part des Allemands. Je crois que c'est ma plus grande faiblesse. Je panique en cas de contre-attaque. Je suis désolé, c'était bien. Alors que on va juste. Voilà, merci. C'est reparti.
Allez, c'est reparti pour jouer. C'est toujours pas fini, bien évidemment. Je rappelle que... Bah, ça prend un grand jour. C'est pas fini. Je rappelle que tout est possible encore. Ah oui, tout est réalisable. Là, c'est le jeu de la vie. Attention, ça va peut-être remarquer direct après. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il est presbyte et puis il a oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais Rodriguez! Rodriguez! Père, fils! Mais Rodriguez, qu'est-ce que tu fais? Mais quel connard! Alors, je t'explique, le sélectionneur suisse, c'est pas comme ça qu'il fait. Il fait, c'est pas bien. Faut pas faire comme ça. Ouais, bah moi je l'engueule, je le tue moi. Reste, alors je pourrais faire ma pute à jouer en arrière et faire des passes à 10. Mais je suis pour l'amour du projet. Ouais. Donc je ne ferai pas ça. Finalement, ton public il doit t'aimer, tu vois. T'as pas le droit de faire ça alors qu'il est en jeu. Ton public doit t'aimer, mais je te rassure que si je gagne le match, mon public sera content. De toute façon, je joue pour ma gueule, hein. Je joue pas pour eux, je joue pour moi. Mais je ne suis pas de ce genre là, donc. Exactement. On peut voir ça sur le live, hein, des putes qui font ça, qui marquent et puis après qui turtle. Ah bon? Ouais, il y en a. C'est un gros défenseur suisse là. C'est la défense, ça prend pas trop de risques, mais suisse, ça défend très mal alors qu'il y a plus de défense là. Après le petit suisse, il y a plus suisse. De défense là. Il y a plus de défense. Ça remet défensif. Il y a plus de défense. Il y a plus de défense. C'est pas lui que je voulais faire en fait. Et ça remet ultra offensif pour le contre. Allez, le contre, on y croit. C'est bien fait. C'est... Oh! Oh, la faute! Le mec, il est même pas touché, tu sais, il touche pile le ballon. Faute, monsieur! Alors que c'est reparti du côté russe, que ça joue en passe. Ça joue trop en passe, peut-être, du côté russe. Oh, c'est la passe. C'est la passe qui n'est pas manquée. Il va essayer de se creuser un écart. Il l'a fait! Il est devant le gardien et c'est le corner! C'est très très compliqué en ce moment pour les Suisses, ils ont du mal. On sent que ça galère un peu. Alors que ça va faire un petit changement. Ah bon? Potentiellement. Ah bon, bah. Ah oui, ça va faire un changement parce que ça va pas du tout là. Ça va pas. Ça va pas du tout. C'est n'importe quoi. Et on va remplacer Xhaka par Ziegler parce que Ziegler il est bon. Et Barnetta va rentrer. Non, ta mère. Et voilà. Et Shaqiri qui reste pour l'instant. Shaqiri qui a fait un bon match. On l'a pas vu. Alors qu'il y avait un beau tir, hein, mais le gardien était là. Un gardien présent, attention. Ça change du gardien suisse. Alors que ça peut être dangereux potentiellement, c'est le cafouillage. Et c'est le but. Et le mec il me dit que d'ailleurs mon but il est moche. Et c'est pas le but. Et il est hors jeu. Mais il y a pas hors jeu. Il y a pas, tu vas me dire que mon but tout à l'heure il est moche et que tu marques celui-là. Mais il y a pas hors jeu. Mais si, totalement hors jeu. Oh mais stop là. Ah tout de suite, ça y est, ça chiale encore contre le jeu. Alors là, on voit clairement qu'il est hors jeu. C'est du foot, c'est normal, c'est comme ça, il faut contester. Non mais ça c'est les Suisses, ça. C'est surtout les Suisses. Hein. Ça taille vraiment les Suisses. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais. Ouais, ça parle mal des Russes, ça parle mal des Suisses. Hein. Je parle une fois mal des Russes. Oui bah tu parles mal une fois des Russes, on parle 100 fois mal des Suisses. Ah c'est comme ça. Hein. Oui. Alors que vrai, le mec est parti avec toute la tous les Russes qui sont en défense juste quand même. Non c'est tout pas va, vrai. Tout va bien. C'est pas vrai. Ah c'était magnifique ça comme passe en profondeur. Elle est pas sortie. C'est bien négocié. Eh ça sort pas en corner. C'est compliqué. Oh. Et ça l'a vu. Ah. C'est parti pour une contre-attaque. Il est pas hors jeu. C'est difficile. Bien revenu. Allez, on est reparti. Ah merde, c'est trop long. Allez, gardien. Dans les mains du gardien, sans aucun problème pour le gardien russe qui s'esclave devant la grosse attaque de merde suisse actuelle. Ça met des semelles, hein, dis donc. Des deux côtés, c'est ça qui est bon. Oh là. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, là. C'est le deuxième but. Oh. C'est pour personne. Bravo. C'est la pression mis par les Russes. Putain. Bon. Allez là, faut que ça joue vite là. Et les Russes qui traînent, voilà. Anti-jeu. Et ça chiale sur la gauche encore. Ça ne fait que chialer. Vous aurez compris, je suis sur sa gauche du coup. C'est du rugby. Ça avance en touche. Oui, bien c'est joué la... le Russe. C'est la bonne touche russe.
C'est que... ah, ce magnifique appel de balle. C'est clair. Oh là là, ça sort en corner. C'est dangereux, attention, hein, sous pression les Russes, sous pression. Ça sort pas en corner. Ça sort pas en corner. Merde. Ah bon, ça sort pas en corner. Ah bon. Première nouvelle. Et ça chiale encore du côté suisse. Bien évidemment. Quand ça ne marque pas, ça va chialer. Et quand ça va marquer, même si c'est une grosse bouse. Oh le but. C'est du foot, on l'a dit. C'est ça. Ça va frapper. Oh mais voilà. Putain le gardien, il est bon le gardien. Alors le... oh mais putain, c'était pas pour justement l'encourager hein. Attention, c'est dangereux ça. Oh, oh la bête. Oh mais le gardien, mais il a bouffé du lion. Putain. Ah très bon gardien. Ça rentre jamais. Très belle prestation des Russes. Ça rentre jamais, ça se replace pour le corner. Une très belle prestation des Russes aujourd'hui. C'est complètement abusé, oui. Et la frappe qui le trompe. Et le but. Et voilà. Et oui. Et oui. Encore un but de crevard. Et oui. Et voilà. Regarde, bouffe le tir. Et ça, et le gardien, il est exceptionnel quand même. Hein. Ah, il est fort. Hein. C'est le mec, il a tout arrêté. Bon, celui-là, il l'aurait arrêté, j'aurais un peu le seum. Ah, ça fait un gros gros pressing et un gros gros. Ah, les buts de crevard. Ah, le supérieur est encore pire. Ok, bon, je dis rien. Ouais, c'est mieux que je marque celui-là. Quand même. Voilà. On sent que les Suisses ont pris un petit peu du poil de la bête là. On sent que les Suisses sont très chauds. Ah, ça a pas suivi là du côté de Severovic. Je ne sais pas. C'est, on appelle Séré. Chez nous, c'est comme ça. On appelle Dorothée dans le vestiaire. Ce qui n'a aucun rapport avec son prénom, bien évidemment. Et oui, alors que c'est très bien fait. Ça va se lever doucement. Il est parti pour la reprise. Et c'est très bien défendu de la part des Russes qui contre-attaquent directement avec Memedi qui va essayer de réutiliser le ballon à Samedov. Okay. Samedov qui passe. Et qui trépasse. Ok, ça fait n'importe quoi côté russe, mais ça passe. Ouais, ça fait n'importe quoi, je t'emmerde. Oh, c'est très bon. Oh, le gardien qui a fait la belle sortie du jour. Pour une fois, ça change. Le mec, il dit ça fait n'importe quoi. Je l'ai pas senti une touche de balle. Tu parles mal de toi. J'essaye de déconcentrer l'adversaire. Apparemment, ça ne marche pas très bien. Pousse-toi. C'est n'importe quoi. C'est la touche concédée. Tu veux moi zizi? Oui. Concédée par la Russie. Apparemment, les Russes et les Suisses sont bien plus proches qu'il n'y paraît. Semblerait, oui. Apparemment, c'est même. Oh là là, dis donc la petite balle piquée. Oh, ah, le petit pont. Oh, ah, dis donc la faute, mais il a rien dit. Et oui, oh, là, on a une défense, mais. Ah non, ça passera pas là, comme ça là. J'ai essayé de jouer en mode petite pute. Ça n'a pas fonctionné. Mais tu la sors. Il joue rapidement. Ça va partir dans la défense, c'est pour le gardien. Contrôle orienté vers le gardien. Sans aucun souci pour Kerzakov. Non. Oui, c'est comme Irène, comme Irène. Akinbib ou je sais pas quoi. Non, c'est ça, Akinbib, c'est bien. Oh, la belle frappe! La belle attention, frappe, attention, attention, le gardien! Le il a bien fait. Akinfiv. Faut pas dire son nom. Ça fait rigoler. Ah, il se la prend dans la gueule. Et les Russes qui. Il l'a vu, tout envie de jouer. Oh, oh, le beau contrôle poitrine! En même temps, voilà, c'est tout. Et c'est la contre-attaque russe. Avec une défense suisse qui est au rendez-vous, qui se réveille actuellement. Et non, ça ira pas là, ça ira pas. Pour Shaqiri, non, c'est bien fait, là. C'est pas lui, c'est pas grave. Donc, on a pris deux équipes, on connaît vraiment pas les joueurs. C'est quoi le terrible. Ah, les Suisses, ils font une première mi-temps après ils arrêtent de jouer. Les Russes. Pas en merde. Fais chier aussi, c'est quoi ces couleurs. Oh là, c'est bien fait ça. C'est très bien fait. Il y a une grosse pression là, on le sent. Ah. Alors qu'il y aurait une élongation, apparemment, il y aurait un blessé. Ça, c'est après avoir. Le beau contre. Ça repart. C'est pas assez fort, mais c'est pas grave. C'est Mars. Oh là, ça se permet une roulette qui ne servait à rien parce que j'étais déjà plus là. Oh, c'est bien défendu. C'est très bien défendu, il est bien revenu. Non. Calme-toi, bonhomme. Oh, petite faute. Voilà, du coup, on peut revenir à l'avantage. Ah, bah non, du coup, si, avantage, n'importe quoi. Fils de pute. Vendu l'arbitre.
Arbitre suisse, ça encore, hein. Ah, il y a personne devant. Mais c'est pas grave, ça joue au rugby. Ah oui, non. Complètement. Mêlé. Pour Smash Bros. Attention, c'est dangereux. Alors que Shaqiri se fait toute la défense adverse pour bien se fatiguer. Et c'est bien revenu. C'est la belle faute. C'est très violent, il n'y a pas de faute du tout. Faute, ça, attends, oh, ah, faute. Ben non, y a pas faute. Désolé, oh, faute. Ça tape un peu, mais il n'y a pas faute. Faute, là. Faute, l'arbitre, faute. Puis depuis, qu'est-ce qu'on va faire en action. Et ça part donc en séance de prolongation. Parfait. C'est prolongation complète. À moi, un match de merde. c'est prolongation. Ouais. Ah. Et Thierry, ça se passe comme ça. Ça va nous vite combien de temps de vidéo, tout ça. On revient tout de suite. Après la pub. PB fini. Eh bien, donc but en or, on a dit. But en or. Et but on en part or. Pour un but en or. Donc, quelle que soit le... l'issue, de, l'issue ce match, de ce match, ça aurait été un match agréable et plaisant à jouer. Exactement. Peut-être que ça se finit en tir en but. Rien de bonne chose. Est-ce qu'on finit vraiment en tir au but, sinon on peut, ne pas, on peut le... On le... peut dire match nul. Hein. T'as pas envie de faire match nul, toi, je sais. Si, non, c'est dommage qu'il n'y ait pas de gagnant, mais en même temps, les tirs au but, ce sera pas un gagnant, quoi. Non, ça va être n'importe quoi. Il fait qui, là? On sait pas trop, mais ça part tranquillement. Voilà. Attention. Il me l'a blessé encore? Non, hein. Je dis non, hein. Je suis pas d'accord, monsieur l'arbitre, hein. Il me blesse tous mes joueurs. Ah, c'est dommage, parce qu'il l'avait vu devant. Ça aurait pu partir très vite. Et c'est en train de partir très vite du côté suisse, russe. Voilà, oh, c'est très dangereux. Dégage, dégage. Voilà. Dégage de ma surface que je te dis. Mais vas-y. Oh. C'est passé, c'est passé, ah, c'est, passé. C'est passé, oui. Oui. Non, il a plus de jus. Il a plus de jus. Il est complètement mort. Ouh. Eh, doucement là, les tacles glissés, hein. Olivier Tom, c'est un dessin, hein. Sorti. Oh là là. Alors que les joueurs sont complètement en état de crever là, accessoirement. Bah laisse-les, c'est le but en or. Et oh là là, ça va pas du tout dans l'équipe. On voit qui c'est qui glande rien. Et bah Mémédi qui va. Ah, Mémédi, ah, t'en as déjà fait 3. Bah non. Mais... Ah bah si, tu m'en as blessé un, fils de pute. Mémédi qui va devoir sortir. Bah, un état qui va le remplacer, le dernier remplacement du côté suisse. On essaie d'apporter un peu de 109. Ouais, ils sont tous en train de crever. Et pourquoi pas du 106 ou du 107 littéralement, hein, sur la pelouse. Il faut fermer ta gueule. Ah, ça parle mal des Russes. Non, non, c'est toi. Ah, ah, oh, ah, ça va faire une faute. Le mec, il est mort. Il y a 5 mecs autour de lui qui lui tirent dessus. T'sais. Il tire le maillot et tout. faut arrêter de faire des tacles. Ah, ils avancent plus, les mecs! C'est fini! Ils sont rincés! Voilà! Le défenseur qui a beaucoup de mal à revenir! Oh, oh, il défense! Oh là là, eh. On voit de ces choses en fin de match. Je te raconte pas ce qu'il va se dire dans les vestiaires. Ouais, bah, me raconte pas. Surtout dans les Russes. Voilà, alors que c'est passé là. Ça va être très compliqué. Oh, c'est la chute, mais il n'y a pas faute, il n'y a rien. C'est du physique, c'est le physique qui compte là, et c'est encore une défense. Maintenant, les Suisses ne défendent plus. Quand retourner acrobatique. C'est stylé, moi j'aime bien, je suis clair. Ça a été demandé par l'entraîneur. Avec un tir contré, ce sera un corner. Un tir contré, alors ça servait à rien de le contrer. Et on ça remet... servait à rien de le contrer, oh là là. Ça me parle mal encore des trappes russes. Décidément, ça veut mourir. Alors, oh, ça... faute là. Oui, mais en même temps, t'es pas censé demander une faute normalement. C'est pas mal fait. Et le corner. Quoi, corner? Que dalle, tu l'as mis tout seul dehors. Ah non, regarde. Comme un grand. Ah non, non, regarde. Comme un grand. Ouais, tu vas voir. Laisse le ralentir. Je laisse. Oui, ah, le corner. Boulon. Eh non. Il faudrait que tu m'expliques qu'est-ce que tu visais là. Le panneau Sony, c'est quoi? Je sais pas. On se moque, mais à tout moment peut y avoir un but, de crevard ou non. Ah, ça tente de loin, ah, là. Non, ça se dit, allez, le gars, on regarde pas, et parti pisser, je tire. Oui, oui, bah on a vu, oui. Merci, Michente. Oh, ça parle mal de Michente. On rappelle que Michente ne commande pas du tout, là, sur FIFA 14. Oh là là, c'est peut-être l'action du match. Voilà, il y a eu beaucoup trop.
de choses bizarres pour pas être sifflé. Et ça chiale encore une fois. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Lui il est mort, il sait plus faire passe lui. Oh là là, le contrôle magnifique. Voilà, 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 bien fait. Contrôle poitrine. Oh, oh là, dommage. Ah, oh, le hors-jeu, mon cul, oui. Ah oui, non, mais attends, on joue avec les règles du football ou pas? Non, ah non. Très bien. Excuse-moi, les Russes depuis tout à l'heure. Hein, sortez pas les armes, les gars, hein. Sortez les armes. J'ai à chaque fois que je crois que l'arbitre, c'est un des joueurs. Hein. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Ça va centrer. Oh, putain. Pardon. Comment il ouvre ça? Décidément, les Suisses sont pas dans leur assiette. Hein. Non, mais il était magnifique. Mais comment? Mais non, mais... Comme une merde, comme un Suisse. Et il était beau quand même ou pas mon centre? Ouais. Il était pas mal hein, centre à terre et tout. Je suis fier de l'action même s'il n'y a pas eu but. Il rate ça comme un Suisse. Ah, ah. Alors que c'est la fin de la première mi-temps de la prolongation. Là on sent que les Suisses dominent un petit peu là sur cette première. Ah bah, t'as du 109 en attaque, moi non. Sur cette première prolongation, il y a eu quand même 18 buts suisses hein, cadré. 18 buts suisses, non je crois pas. 18. Pardon. Non, pas moi. Toi aussi, t'es fatigué, t'es sur le terrain. C'est compliqué. 18 buts suisses, ouais, j'étais voilà. Pas au courant. Les Suisses dominent, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Hein. Voilà, voilà. Des Russes qui ont plus de réussite devant le but de l'équipe adverse. Comment ça, j'ai plus de réussite? Mec, j'ai mis qu'un but. Oui, mais t'as fait moins de tirs, donc du coup, ça fait plus de réussite. Oui, mais plus de réussite, c'est genre plus de chat, tu vois. J'essaye de te flatter. C'est pas une flatterie, c'est-à-dire que j'ai plus de réussite, je le prends mal. Et pourquoi? C'est-à-dire que j'ai de la chatte. Mais la réussite, c'est pas la chatte. Oh là, oh là, c'est dangereux, c'est dangereux. Putain, la relance. Ça relance bien. Ça relance doucement, tranquille ou pépère, voilà. On va pas trop se presser non plus. Ah, c'est intercepté, c'est la touche. Pas très bien joué, ça. Tu reviens, tu reviens, la touche, s'il te plaît, bonhomme. Ah oui, il n'y a personne au centre, bien évidemment. On laisse sortir. Ah, ça va peut-être sortir en touche avec du bol, non? Connard, carré. Ah! Barnetta. Une bonne action de merde. Barnetta qui est rentré. Hein, Shaqiri qui est blessé, en fait. Ah bon? Bah, la petite croix rouge, c'est blessé. C'est lui, en fait. L'élongation? Maintenant, là? C'est tout de suite? Bah, j'ai vu une petite croix rouge, là, donc. Ah, voilà. Ah, ça pue la merde pour les Suisses, si c'est le cas. Ouais, ça fait un peu un joueur en moins. Mais bon. Vu l'attaque russe. Ça troll un peu. Pas de problème. Ça vit bien troll. Ah, dommage. Voilà, ça joue très dangereusement de la part des Russes qui arrivent à passer. Qui arrivent à passer. Ça joue, ouais, ça joue ça un petit bien, peu. Ça s'appelle de la défense, c'est comme ça qu'on joue. Ah, c'est le tir, bien tenté. Non, le gardien qui a préféré miser sur ça va pas passer, sinon il se serait fait comme une merde. Il serait rentré, ça aurait pas bougé, il aurait fait oh le but de l'illusion, get you too. Ok, c'est clair. Peut-être qu'on va finir sur une très belle action. Oh dommage, ça part encore en volée de la part. J'aime bien le bon jeu, mais quand c'est le mien, quoi. Ouais, c'est dommage parce que. Sinon c'était pas mal, hein. Bonne défense encore suisse qui montre finalement dans ses prolongations la supériorité. Juste le changement supplémentaire qui a permis à l'attaque d'avoir un mec qui court, ça aide. Oh là 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 là, c'était mal fait ça. Un défenseur solide du côté russe là sur le. Tout à fait. Non, pas bon ça, pas bon, pas bon. La sortie du gardien, oui, la bonne sortie du gardien. Et qui était sur son point de pénalty. Allez. Et c'est le corner, là ça peut être très très dangereux. C'est pas mal tiré. C'est bien défendu, c'est très bien défendu de la part des Suisses. Les Russes qui relancent et c'est un hors-jeu. Alors qu'on s'approche de la fin du temps du match complet quoi. C'est fini quoi. Voilà, attention, ça peut être très dangereux ça, ça peut être la mauvaise relance. Donc comment tu joues et tu commandes pas? Le mec Peter me fait les commentaires. Ah, il y a des crampes, l'enculé. Ouais, faut bien meubler un petit peu, hein. Faut bien meubler. Alors, ce qui est dommage, c'est juste qu'on connaisse pas le nom des joueurs. Alors que ça transverse. Alors que là, il n'y a plus aucune attaque suisse devant, là. Il n'y a pas de problème. Les joueurs souffrent, là. Ça se sent.
Oh là là, dis donc, ah, peut-être qu'une mauvaise. Passé. Oh là, oh c'est le blocage là. Oh là là, j'ai un smirnoff au cul, mon gars, quand je cours. Mais va dessus. Le mec regarde le ballon, il est suisse en même temps. Il est neutre. Exactement, il veut attention. Pas avoir de problème, il l'a vu en haut. C'est la percée, peut-être le tir. Oh là ah, là, la il bonne. Il touche pas déjà le tir. Oh. Ah, c'est la fin. C'est la fin du match. Mon dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met comme un gagnant après tout ça, même si. Ah, mais on peut pas faire de tir au but. On peut faire un tir au but, on va arrêter si tu veux, mais ça va être n'importe quoi. Bon, on peut dire qu'il y a truc, on fait juste le tir au but pour qu'il y ait un gagnant à la fin quand même. Si tu veux. Pour, ah, bah, de toute façon, on n'a pas le droit, on n'a pas le choix en fait. Donc, tu m'as dit c'est joystick droit. Donc, c'est oui, c'est joystick droit. Donc, c'est moi qui commence apparemment à tirer. Ça va être très compliqué, hein. Voilà, c'est très très compliqué les pénalties. Oh non, il me manque. Ah, c'est on l'aurait pas deviné. Les pénalties. Ah putain, c'est sa grand-mère. Ah, il a été bien parti du bon côté. Il s'est encore raté. Pour l'instant, c'est. Oh, le premier but. Le premier mec, il a pas pris de risque. Je ne vise pas. Non. Et voilà. Oh, mais merde, elle va trop vite là-bas. Oh là là, attention là, il y a une espèce de. Ça y est, notre racisme, on voit écrit derrière, c'est le slogan de notre chaîne. Bon, je crois pas, non. Ah. Si. Alors que là, c'était quasiment dans le vert, mais ça tire au-dessus. C'est la fatigue. On sait pas pourquoi. Décidément, je n'y arriverai pas. Bon, bon, bon. Moi, si tu le mets, t'as gagné là, non? C'est très compliqué, hein. On n'a jamais vu une série de tirs au but aussi. Aussi belle. Oh, mais merde! Oh là 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 là! C'est pas vrai! Ah! C'est toi aussi, je suis pas vient de dire du grand n'importe quoi. C'est le décisif là. Oh là là, il le met! Sérieux? J'ai plongé tout à la fin, comment ça se fait qu'il l'a pas? Et il le met, parce que sinon faut pas plonger du tout. Ah ouais, faut pas plonger! Ah très bien, j'avais pas compris ça dans les tirs au but. Voilà. Et on va voir les moments forts du match quand les même. Les fautes, ouais. Voilà, donc premier moment fort, petite faute. Grosse faute, oui. Petite faute de... La de... petite faute. Avec l'autre faute de ce match, hein. C'est fait partie des moments forts. Il y en a eu des bien meilleurs, des moments forts. On voit que la sélection pue un peu la merde quand même. Ah voilà, ça c'était un tir, putain. C'est dommage, ça c'est le but. Le poteau, à la fin, les Suisses ont fait des trucs stylés quand même. Hein. Oui, j'étais fatigué. Je sais pas ce qu'on va voir, mais... Le but de Crevard. Non, non, ça c'est encore un arrêt du gardien. Le gardien russe qui a été quand même très très bon, hein, aujourd'hui. Ouais, je sais pas si c'était quoi ça. Ça c'est le but. Là, on est revenu. Le gardien qui a été vraiment excellent. Un beau centre et raté. Bah, ça c'était parfait. C'était dans la série. Ouais, mais t'as des Suisses en attaque. Hein. Ça c'était le tir de fin qui était mieux à chier. Et le pénalty réussi. Et voilà. Et bah écoutez, on vous remercie grandement pour cette vidéo qui va faire environ 45 minutes. 9 jours. Donc qui va être assez longue. On vous remercie de nous avoir suivis et bah on se dit à très très bientôt pour la suite, hein, pour d'autres vidéos endiablées. Voilà. Ciao à tous et puis portez-vous bien. Bye bye. Plein de bisous.